grâce à Occitane Régional. Ce sera dans quelques instants le fameux Grand Prix de Malétrie qui sert également le championnat du monde. One minute avant le départ, 3 minutes away from the start of this final in the Grand Prix category and the World Championship. Les pilotes veulent gagner naturellement pour Amorce, mais surtout pour un prestige. Quel prestige leur conduit. On a gagné le Grand Prix de Valleyfield. Bonne chance à tous les pilotes. Good luck, all riders. Ça va gronder dans quelques instants lors du départ. Dans 2 minutes. 2 minutes to the start. Et surveillons de très très près la stratégie là, des différents conducteurs. À savoir qui sera en mesure de s'installer dans le corridor intérieur pour le départ. C'est à surveiller. Des pilotes aguerris qui connaissent les moindres détails de ce parcours et qui voudront sans doute s'installer confortablement au corridor intérieur, mais attendons voir ce que ça va donner comme stratégie. C'est là que l'on réalise que Valleyfield est vraiment la capitale mondiale des compétitions motonautiques. Là, c'est le Maxi Fou de Claude Bergeron qui tente de s'installer. L'exporté Inc. est parvenu à le coller. 1 minute au départ, the 1 minute gun. Et la foule est nerveuse. Le exporté. Les gens sont debout. Le exporté Inc. est parvenu à s'installer à l'intérieur. À sa droite, il y a le Super 7. Et tout juste à la droite du Super 7, on a le Maxi Food. Donc, ce on sera a une guerre de tous les instants. 3 Québécois côte à côte de l'intérieur. Le Exporté Inc., le Super 7 et le Maxi Food. Et c'est François Cardinal donc qui est parvenu à gagner le corridor intérieur pour le départ de l'épreuve. Attention, il se mène. 15 secondes au départ, 15 seconds. 10 secondes, 10 seconds. 5 secondes, 5 secondes, on ouvre les moteurs. Excellent départ! Et au départ, c'est le Super 7 qui a pris les commandes. Le Super 7 a pris la commande au départ. À la sortie du premier virage. Oh là, c'est le exposé de François Cardinal qui a raté un petit peu son virage. Le Super 7 de Jean-Pierre est en train d'étonner. 2e seconde à l'intérieur, on the inside. Le exposé Inc. 3e turn, on a le Crazy Canucks de Guy Verdon. Super 7 en tête toujours. Virage côté ouest. Et puis dans le coin. Oh là, c'est le Exporté Inc. François Cardinal a perdu le contrôle et se retrouve au milieu du parcours. Jean-Pierre en tête in the lead. Jean-Pierre en tête 2e seconde. C'est le Castrol. 3e turn. On a 2 embarcations qui sont en train de couler de ce côté-là. 2 embarcations. Bon, la course est terminée. Et là, on est obligé d'arrêter. Il y a une embarcation qui est en train de couler. On est obligé d'arrêter la course. C'est l'embarcation du Maxi Food. Je pense, attendons voir. Ils sont déchaînés, ces pilotes. Tout simplement extraordinaire. Oh!
Alors les embarcations de sécurité, le PIMEC des pompiers se dirige vers l'embarcation du côté ouest qui a été accidentée. Alors c'est le Exporté Inc. qui est entré en collision avec un bateau de sécurité. Donc voilà, François Cardinal a perdu le contrôle dans le virage côté ouest et il s'est retrouvé à l'intérieur du parcours et il a alors atteint, frappé une embarcation de sécurité. Incroyable. Alors, on va se rendre aux informations pour en savoir plus long. Mais François Cardinal, lui, il n'y a aucun problème. Il est sorti de son embarcation. Il est actuellement debout, dessus son embarcation. Alors, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et ça, c'est très important. Et on devra reprendre cette finale. Et les partisans du Exporté Inc. sont rassurés. Ils étaient nerveux tantôt lorsqu'ils ont vu l'accident. Pense à Cardinal, hein? Pour vous donner une idée là, de la vitesse des embarcations dans cette épreuve, Jean Théoret avait franchi le premier tour avec une vitesse moyenne de 107,6 000 à l'heure. Incroyable. Et là, ben, on est. Les unités de secours sont venues à la rescousse de leurs confrères. Alors, on nous indique que les gens de la sécurité qui étaient à bord de l'embarcation qui a été frappée, les gens de sécurité qui étaient à bord de l'embarcation qui a été heurtée par le Exporté Inc. ont vu venir vers eux cette embarcation et ils se sont jetés à l'eau et personne n'a été blessé. Donc, personne n'a été blessé. Heureusement. Heureusement. Good luck. Personne n'a été blessé et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ni François Cardinal, ni les membres du service de sécurité n'ont été blessés à la suite de cette collision. Mais ça a dû frapper assez solide, oui. Et remarquez la discipline. Aussitôt qu'on a demandé aux embarcations de s'immobiliser, toutes les embarcations se sont arrêtées, sont demeurées sur place jusqu'à temps qu'on leur fasse signe qu'ils pouvaient regagner les puits. Alors, le Grand Prix sera repris. On roulait vraiment avec la pédale dans le tapis, hein? C'est incroyable. Une moyenne de 107 000 à l'heure. Au premier tour, 107 000 à l'heure pour Jean Théoret dans le Super 7, ce qui était au-delà du record de parcours. On sait que déjà, Jean Théoret et son Super 7 détiennent le record du monde à 114,9 000 à l'heure. Mais là, on devra reprendre le tout. Ils sont vraiment déchaînés, ces pilotes. Et là, c'est Guy Verdon dans son Crazy Canuck qui tente par tous les moyens de retourner jusqu'au puits, mais il est en difficulté, là. Il y est presque. Guy Verdon qui roulait en troisième position. Ça allait très bien pour lui également. Et là, il regagne lentement mais sûrement les puits Super 7. Alors, on va reprendre le tout. Thank you.
sommes à 3 minutes du départ, 3 minutes from the start of this final in the Grand Prix category and for the World Championship. Championnat du monde et finale en classe Grand Prix. Record de parcours 105,9 miles à l'heure, établi par le Exported Inc. Record du monde 114,9 miles à l'heure, qui appartient au Super 7 de Jean Théorel. Dans 2 minutes de la start. Et surveillons de très près comment va s'amorcer cette épreuve, qui sera en mesure de gagner le corridor intérieur pour le départ. Rappelons que le Super 7 Jean Théoret et le Maxi Fou de Claude Bergeron ont terminé premier et deuxième lors des qualifications chronométrées. Et là, la haute stratégie qui gagnera le corridor intérieur. 1 minute au départ de 1 minute gun. Jean Théoret qui s'installe à l'intérieur tout juste de la bouée. Et c'est lui qui s'accapare. C'est Jean Théoret dans le Super 7 qui s'accapare de la voie intérieure. Trente secondes. Départ dans 10 minutes. 5 secondes, 5 secondes. Oh, Claude Bergeron, excellent départ, le Maxi Fou. À l'intérieur, toutefois, on a le Super 7 de Jean Théoret. Et à la sortie du premier virage, c'est le Super 7 de Jean Théoret qui va être à l'intérieur, on the inside. Super 7 in the lead. Deuxième second, Maxi Fou de Claude Bergeron. Troisième third, c'est le Crazy Canuck de Guy Verdon. Tout comme tantôt. Jean-Pierre qui s'amène dans le toit. Et on complète un premier tour. Après un tour, after one lap, en tête de ligne, le Super 7 de Jean-Pierre. Deuxième second, à l'extérieur, on the outside, Maxi Fou. Troisième, third, ex aequo. On a Pierre Lavigne et Guy Verdon, vitesse moyenne de 105,1 mille à l'heure. Pour Jean Théoret, au premier tour, 105,1 mille à l'heure. Théoret toujours en tête. Pour chasser par Claude Bergeron. Alors que le valvolé de Pierre Lavigne vient de s'accaparer du troisième rang. Devant Guy Verdon dans le Crazy Canuck. Théoret dans le toit. À mi-chemin dans l'épreuve, halfway into the race, c'est le Super 7 en tête in the lead. Deuxième cercle, Claude Bergeron. 103,9 mille à l'heure, vitesse moyenne. Pierre Lavigne est troisième third, quatrième fourth, Guy Verdon. Cinquième fifth, Jimmy Key. Dans le Castrol. Sixième sixth, Summit Equipment. 7e, Medical Profile. Jean Théoret toujours en tête.
et Bergeron qui lance la prise derrière lui. Les deux plus rapides aux qualifications chronométrées se retrouvent à nouveau en finale. Encore un pas, one lap to go. Champion en tête, toujours devant Claude Bergeron. 102,1 mille à l'heure, vitesse moyenne de terrain au troisième tour. Et Bergeron qui se rapproche quelque peu dans son maxi pool. Bergeron qui se rapproche encore. Théorin qui ouvre la machine. Un demi-tour à faire. Apparat to go. Théorin toujours en tête. Still in the lead. Deuxième seconde. Maxi pool. Bergeron qui tente de l'attraper. Le meneur, Jean Théorin. Dernier virage. Théorin en difficulté légèrement, mais la Jean-Tresse, il se met dans le coin. Bergeron, c'est poursuite. Bergeron et Théorin. Théorin qui va l'emporter. Jean Théorin, super set, le gagnant, le winner. Deuxième second, Maxi Poul. Oh, troisième, third, Valvoline et Pierre Lavigne. Vitesse moyenne pour le gagnant, Jean Théorin. 102,4 mille à l'heure. Et quelle fête course! Average speed for our winner, Jean Théorin, the Super 7, 102.4 miles per hour. Quelle fête course sensationnelle, spectaculaire! C'était bien sûr le Grand Prix de Valleyfield, également le championnat mondial des Grands Prix. Jean Théorin avec une belle lutte Claude Bergeron. Oui, Claude Bergeron, jusqu'à la toute fin. Claude était menaçant, dangereux, s'approchant dangereusement dans les derniers mètres de Jean Théorin. Oh là là! Alors, quelle saison pour le Super 7 de Jean Théorin. Déjà détenteur du record du monde avec 114,9 mille à l'heure. Il vient d'être couronné ici aujourd'hui à Valleyfield. Champion du monde 1994. Le voici à nouveau, et Jean Théorin. La foule applaudit Théorin. Jean Théorin. Super 7 de l'Auto-Québec. Un tour d'honneur pour le Super 7 et Jean Théorin. Les casquettes rouges s'agitaient tantôt, avec raison d'ailleurs. Les mini. Bravo. Ouf, quelle finale. Il en reste des bonnes finales également. On va voir dans les bonnes finales la poursuite Export et Inc. L'invitation Molson Export, tu sais, ça promet ces courses-là. C'est loin d'être terminé. Et naturellement que Roland Mayotte va interviewer de la terrasse des champions, Molson Export, le grand vainqueur, Jean Théorin. Une course qui pouvait causer des surprises à la toute fin, là. C'était énervant, sûrement. On attend naturellement le champion du monde à la terrasse Molson Export, la terrasse des champions. Jean Théorin, mesdames, messieurs, champion du monde 1994 en classe Grand Prix et champion ici à Valleyfield. Et il est maintenant au quai, à la terrasse. Et on va s'entretenir immédiatement avec lui, mesdames, messieurs. On l'applaudit bien fort, Jean Théorin. C'est fantastique. Je veux remercier Dieu, premièrement, parce que c'est la gloire va tout à lui. J'ai une équipe aussi fantastique. On n'a pas manqué une course jusqu'à présent. Tout le monde est revenu au bord, sain et sauf. Et puis, j'ai un commanditaire aussi qui est super, l'Auto Super 7 avec l'Auto Québec. Et puis, c'est super gagné. C'est mon premier Grand Prix Valleyfield. Et c'est toute une sensation pour moi en tant que pilote. Merci beaucoup. Et champion du monde, parce que quoi, Jean? Comment on se sent?
On se sent, c'est incroyable, gagner à Valleyfield, c'est gagner l'Indy 500 du Moto Nautisme. C'est un feeling indescriptible, c'est merveilleux. Jean, il faut que tu nous racontes. Il y a eu quand même un premier essai, il y a eu cette annulation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête là, en attendant qu'on reprenne? Bien, c'est sûr qu'on est déçu. Hein, quand on prend l'avance, on prend un bon départ puis qu'on reprend l'avance, on est déçu. Mais François était correct, c'est la sécurité qui est plus importante que toute autre chose. Et puis on a eu la chance de surprendre et puis Dieu nous a bénis et tout a bien été. Qu'est-ce qui peut arriver maintenant? Titre mondial, record du monde, on cherche quoi maintenant comme objectif? C'est incroyable, j'ai jamais gagné un championnat des points mondial. J'ai jamais gagné un championnat de points et puis on aimerait bien se gagner ça. Ben, félicitations encore une fois, on applaudit mesdames et messieurs. Jean Théoret, nouveau champion du monde en classe Grand Prix et champion ici à Valleyfield.